Salut les potes des œufs! Bon, aujourd'hui, la situation est assez grave des œufs. Vu, parce que j'ai bien réfléchi à tout ça des œufs. Vu, à toutes les mauvaises choses des œufs. Parce que qu'est-ce que j'en ai marre des œufs, qu'on me respecte pas des œufs. Vu, qu'on m'écoute jamais des œufs. Quand j'ai un problème, je dis toujours à Tiche ou quoi que ce soit des œufs. Mais on fait jamais rien du tout des œufs. Vu, on embête Moussa des œufs. Ah ben c'est la faute à Moussa des œufs. Il arrive ça à Moussa des œufs. Ah ben vu, c'est sûrement parce que qu'est-ce que c'est lui qui l'a cherché des œufs. Vu, tout le temps comme ça des œufs. Du coup des œufs, j'ai décidé de moins râler des œufs. Vu, vous savez, j'ai envie de buter tout le monde des œufs. Aujourd'hui, je vais un petit peu, juste un tout petit peu des œufs. Assouvir mon esprit de meurtre des œufs. V. Parce qu'il y a quelqu'un qui se rappellera toute sa vie qu'au niveau de son bidou des œufs, eh ben, je lui ai fait un. Je vous expliquerai des œufs. V. Mais ce soir des œufs, j'ai eu quoi, une révélation des œufs. V. Et je sais comment bien venger des œufs et faire bien comprendre à tout le monde des œufs. Que qu'est-ce que Moussa, c'est pas un rigolo des œufs et qui peut te faire très très mal des œufs parce qu'on sait tous que les rues de Los Santos, elles sont pas toujours éclairées des œufs. Donc bougez pas des œufs, je vous explique tout en détail. Et à la fin des œufs, je dirai ce que je vais faire des œufs. Vu un truc super grave des œufs. Ouais, Firmin, là je suis au bunker, j'en ai au moins pour 10-15 bonnes minutes. Puis après, moi, je suis dispo. Et dis-moi, on a trouvé l'autre Bart, là, sur le truc de cocaïne, encore. Ouais, mais... Ah bah, écoute, là, j'ai chopé un de ses collègues. Et je t'explique. Tu saurais me l'avoir, toi, ou pas, dans un coin? Ouais. Bah, vas-y, fais-le, alors. Fais-le. Écoutez bien qu'est-ce que la discussion qu'il va y avoir avec Tiche, là, maintenant, des œufs. Parce que c'est cette discussion-là des œufs, après, que qu'est-ce que je prends conscience de tout ce qui m'arrive des œufs. Monsieur Boss. Oui. Ça va. Oui. Ça va. Oui. Comment tu vas? Mais ça va des œufs, ça fait 14 fois que je te dis. Bah, le problème, c'est que vous ne saurez pas rentrer, parce que c'est les chefs qui peuvent rentrer. Il y a Gougoute qui va essayer de venir me filer un coup de main. Non, tu vois, t'es pas sûr. Saurez. Allez, c'est bon, allez, j'y vais. Non, mettez-moi, non, ramenez-moi les diamants dès que vous pouvez à l'intérieur, hein. Mais vous êtes sûr? Gougoute, dès que tu peux, rentre avec moi, frère, s'il te plaît. J'ai besoin vraiment bon, de vous. Bon, dans 30 secondes, c'est bon. Smile. Coucou Sista, coucou Moussa, bah, ça va les frérots? Mais ça va, toi, mon pote des œufs? Ouais, ça va, tranquille, super. Putain. Mais pourquoi je t'énerve des œufs? Je sais pas, tu m'énerves. Ah, mais t'inquiète, j'en ai encore un peu sur non, moi là. Je vais trier. Bon, moi, il faut que je commence ma recherche. Je vais trier pour pas qu'ils s'en battent. Je recherche des œufs. Mais non, tu t'embêtes pour rien en fait. Non. Ah si, c'est OJ qui l'a dit. Non. Ah c'est. Non, ton frère, il t'a il pas a dit ça. Il a dit 5 ans devant moi. Oui, ben, ton frère, il a déjà choisi des œufs. Non, mais mon frère, c'est pas pareil. Non, mais si tu peux pas le décevoir des œufs. Ouais, mais il est pas là. Gougoute. C'est un mensonge, ça s'invente vite. Puis moi, j'ai pas exactement entendu tout ce qu'il fallait quand il a dit ça. J'ai pas tout entendu. Ah, moi, je peux te répéter des œufs. Ouais, mais je pense que t'as pas tout entendu non plus, t'étais sous la forêt de le voir. T'étais trop content. Non. Et tu fais ça, je cherche pas des interloupes des œufs. C'était qu'un coup de fil des œufs pour. Attendez, je dois prendre de l'or. Vas-y, je prends des diamants. Comme ça, je peux commencer le taf en fait. Quoi, tu peux pas lancer? Allez, viens, ma gougoute, faut qu'on rentre. Ouais, vas-y, je prends le diamant. Vas-y, je vous en dépose de l'or encore. Et il faut or, argent, et comment s'appelle or, argent, et silex pour, pour les armes blanches, et or, argent, et diamant pour les ouais, mais P7. Il suffit que je dis qu'il a ça pas dit ça, il va me croire quand même. Ça va, tout prendre. Bon. Attends, non mais il m'en reste encore sur moi. Pour un truc, il peut me croire une fois dans sa vie, putain. Avant, il me croyait tout le temps. Non, bah oui, c'est parce que c'est moi qui dis toujours. Avant, il me croyait, j'étais la prunelle, c'est sûr. Ta-ta-ti-ta-ta-ta, putain. J'ai l'SDF. Non, mais... Non, mais comme tu as des œufs, pas besoin de s'énerver comme ça à des œufs. Ça... Non, c'est ta faute. Non, mais c'est pas la peine des œufs. Non, mais c'est pas la peine des œufs de t'énerver des œufs. Non, mais.
C'est pas réglé en 10-3 minutes d'EF, si il faut. Oui. Et bah quand il a des semaines qui peuvent arriver. Pourquoi? Parce qu'il m'a manqué de respect des œufs. C'est vrai. Et toi, tu m'as manqué de respect, moi? Non. Tu m'as volé mon frangin. Ah, mais... Tu sais des œufs qui c'est pas vraiment pesé comme c'est des œufs. Attends, parce que techniquement, il préfère. Mais c'est parce qu'il est pas au courant de tout. De quoi, des œufs? De tout. Non, mais de quoi des œufs? De qui? De ce que tu m'avais demandé à l'époque, de ceci, de cela. Il est pas au courant, toi? Oui. Peut-être que s'il est au courant, peut-être qu'il va changer d'avis sur toi. Oui, alors il va t'engueuler des œufs parce que tu ne m'as pas encore donné des œufs. Oh, non! Ah, oh putain, oui! Non, je pense pas. Ah, putain, mais je suis prêt à prendre les risques des œufs! Il serait capable, je le vois bien. Je le vois bien. Oui, moi aussi, je vois très très bien. Et des le télescope? De quoi des œufs? Si je lui raconte des histoires, tu crois qu'il va penser à quoi? Oui, t'as pas de le fait que tu fasses fuir tous les mecs qui viennent. Non, mais t'as pas de preuve des œufs? Et que t'as fait peur à tout le monde? Et que t'as fait peur à. Oh, c'est? Non, t'as pas de preuve. Vas-y, dis-moi, t'as une preuve des œufs? Bah, j'avais quelqu'un avec qui t'avais, enfin, qui t'avait fait peur, mais il est plus là, donc ça fait chier. Mais après, je peux peut-être le retrouver et lui demander une preuve. Peut-être. Parce que je me souviens que t'avais fait peur à quelqu'un, qu'il avait peur, qu'il avait carrément peur de me parler parce qu'il avait peur que tu sois dans un puissant. C'est normal des œufs. En quoi? J'ai plus de quoi faire des pessettes là. En quoi? Non, il y a 10 pessettes seulement. Alors qu'il peut des œufs, tu connais pas toute l'histoire des œufs. Il y a 10 pessettes, le reste, machette et février est alors ici. Que quoi? Il faut leur. Non, mais j'ai pas tout, je pensais qu'il fallait faire plus de pessettes. Non, ils sont là. Je pense qu'il est pas au courant qu'il faut faire si peu de pessettes. Parce qu'il est parti des œufs. Qu'il avait peur de moi des œufs, mais c'est pas que de moi des œufs. Tu parles de qui, je pense? Tu lui as fait peur. On peut plus faire de pessettes. Tu peux plus faire de pessettes, pourquoi? On a machette et queue de billard après. Non. Si. On a plus de quoi en faire, à ce qui paraît. Ok, ben va faire des machettes et des queues de billard. Avec des œufs. Ça part. Je suis en train de remplir la voiture. Avant avec Pomba des œufs. Faut qu'on parle après. Mais faut toujours qu'on parle des œufs. Bon. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore pas mal de blablabla des œufs. Mais après toutes ces discussions des œufs, je vais enfin qu'est-ce que prendre conscience des œufs que je n'aurai jamais tige des œufs. Non. Il y a bien plus d'autres personnes des œufs qui sont bien plus importantes qu'est-ce qu'à ses yeux des œufs. Oui, malgré qu'est-ce qu'il a la volonté de capter la des œufs, je sais que je n'aurai jamais tige des œufs. Oui, j'ai compris aussi des œufs. Que finalement, quand qu'est-ce qui m'arrive quelque chose des œufs, il y a toujours quelqu'un entre moi et le G des œufs pour minimiser qu'est-ce que tout ce qui se passe des œufs. Oui. Donc du coup, on se vend jamais des moussettes des œufs, même si on le jette au-dessus d'un pont des œufs. Oui. Tout plein de trucs comme ça des œufs. Oui. Et ça depuis longtemps. J'ai déjà parlé avec Tige des œufs, avec Percy des œufs, Carter des œufs. Oui. Les seuls vraiment qui mettent des œufs. C'est Gimsu des œufs. Fais. Carré, je leur ai dit qu'on partait de leur côté. Ok, c'est bien. Bien, quoi. Super. Allez frère, c'est 4-5 chocs, veillez, tout porté, comment je suis de mon cul, on fait démarrage masterclass, les filles.
C'est pas grave. Mais je crois que les crises de tête du métier. Ah, je crois qu'il y avait un grim. Je crois. Ouais. On a les pneus crevés, on s'est fait tirer par des petits carrières. L'eau. Vous êtes où? Je ramène les flics, moi, sur la pause, hein, dites-moi. On va te faire choper, évidemment. On va te faire choper. On va te faire choper. Ils m'entendent quand ils s'attendent pas de requins. Ils ont tiré dans ton territoire. Non mais il me semble que de toute manière très compliqué. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Très compliqué, ce que je vais faire avec eux. Je te laisse Raoul, j'ai vraiment des flics derrière mon cou. Là, combien de chops s'il vous plaît, là, vite. Là, il y en a une de près. Tout proche des eux, il y en a comme une... Une plus loin. Attends, laissez-moi gérer pour le moment, s'il vous plaît. Je vais prendre le premier que je connais. Il est comme d'hab, on m'a dit, c'est ça? Si. Il est bien. Attends, je parle doucement. Je parle doucement à la radio. Il est bien 4G, hein, le plan, hein, pour Johnny. Ouais, c'est ça, oui. Eh, vas-y, moi j'ai un 4-4 de flic là, il veut pas me lâcher. Il est cool, clair, rapide et précis. Patate, prends le plan de Perry, moi je prends le plan de Johnny, allez, go. Mais tu peux chercher le poisson des œufs. Ok, faut bien se réinventer, hein. Mais qui connaissent tous mes plans, je leur en sors des nouveaux. Juste les frères, vous pouvez me répéter, il est où le plan de Percy, s'il vous plaît? Ok, okay, je sais, pas qu'à venir t'aider, je dépose tout le monde, l'armement et tout pour déjà rire. Comme personne n'avait vraiment envie, apparemment, d'aller vraiment aider OGDF, Tish et moi, on prend la décision et la responsabilité de quand même prendre une voiture des œuf et d'aller les aider des œuf. Vé ? Un détail des œuf. C'est moi qui conduis des œuf. Juste à gauche. On va récupérer OG. On va braquer. On braque, ok. Moi je me retrouve. Ouais, bon, reste la bagnole, frère. Ok, je reste. Là, je vais faire des fucks, hein, derrière la vitre. Hélicoptère dessus déjà. Vas-y, fonce. Vas-y, parez-vous. Je crois qu'il est dessus toi, l'hélico, attends. J'aurais réussi à m'en sortir, en fait. Il est quoi, au-dessus de nous? Non, il est au-dessus de nous, ouais. Ouais, j'arrive pas à savoir si je suis au-dessus ou si... Non, c'est nous qui suis. Il est au-dessus nous, ouais. Tu vas savoir le gérer ou pas? Oui. Il nous suit toujours. Attends, pour être nickel à la radio, je demande à Baka si c'est bon pour eux. Ouais, c'est carré, hein. Vas-y, on va juste regarder. Si ça a marché, t'es le meilleur. Il est toujours en haut, j'entends. Ah, il se pose. Ok, il s'est posé. Vous avez des œufs? Tu penses? Il était où? Il est très. Ouais, t'as pas vu, très. Bah, la pêche est où ça? Fais gaffe, il peut nous voir de juste. Ah, je sais pas, j'ai un doute. Ok, on descend de la voiture, non? Il est un peu comme si t'es en été. Avec toutes les unités qu'il y a, c'est dangereux. Est-ce que vous savez, non, il ne nous a pas vu, tu vois, il est dans la voiture. Je le vois pas. Tu le vois, toi, peut-être? Non, je le vois pas. Attends, je l'entends, mais je le...
Oh putain. Conduis normalement. Va pas te... C'est une blague ou quoi? Y'en a aucun qui me répond là? Et est-ce que tu penses que je fais un colis qu'à personne qui me répond alors qu'on a un hélico et une bagnole? Ok Tish, okay, vous allez me dire où vous êtes, tu vas arriver. Vous allez passer dans un parking et vous allez bouger dans ma pylône, d'accord? Ok. Préviens-lui qu'on est trois. Ok, donc c'est parti. Ça a été dit, ça a été dit. Ok, ok. Pour vous, un parking rouge. Parking rouge, tout simplement. Vous passez parking rouge, entrée côté Arcadius, d'accord? Et moi je vous attends avec une voiture qui a rien à voir autour. On fait comme ça? Ok, on est droit et tu me dis quand ça peut. Ouais, allez, d'accord. Bah écoute, commence à vous rapprocher. Je suis à 200 mètres. Attends, tourne un coup. Côté Arcadius, tu crois? Il dit 9? Pas encore, il a pas encore dit où. Voilà, hésite pas à tourner un coup. C'est bon, je suis là. Okay. Allez, vous pouvez venir. Okay, ok, on arrive, on a un hélico et une voiture. Il est là. Ah merde, mais du coup, ça change le plan, ma belle. Mais il faut que je vous récupère au plus vite. Venez quand même, venez. C'est ça qui compte, venez. Parking rouge, vous passez du côté Arcadius, vous venez jusqu'ici. On va à l'intérieur des E, faites du parking des E. Tu vas le voir, de toute façon, je pense. Je crois qu'il est à l'entrée, en fait. Ouais. Je sais pas si c'est lui. Non, va dedans. Arrête-toi, c'est moi là. Plus loin. Plus loin, avance. Vite, ici, des E. Vite. Mais vite, de quoi l'autre il a été tué? C'est qui l'autre? Tu montes ou tu montes pas? Faut prendre ta dé... Putain, espèce de trou du cul, va. La prochaine fois t'es pas à vivre comme ça, je te laisse là-bas. Ça se passe bien de votre côté? Nous on a été récupérés. Gros, j'ai récupéré 4 chopes, c'est un truc de baiser. Toujours l'hélicoptère? Mais qu'est-ce que tu fous? Mais... Ça c'est deux courses poursuites qui se croisent. Attends, on l'a récupéré mais tranquille. Les frères, j'ai récupéré tous les flics parce que j'ai été sauvé de chez Moussa et du coup j'ai pas ma révolteur, j'ai rien du tout, je suis dans la fosse. Faut me sortir des plans masterclass là, c'est vraiment le moment. En plus on a la moitié de l'équipe qui sont pris par les sicarieuses, la moitié de l'équipe qui ont été pris par les flics à cause des sicarieuses. Ok, on va te faire un plan, juste laisse-nous sortir une voiture et ça sera bon. Putain de trini de merde, ça fait deux fois qu'encore un peu ils me font planter frère. Ah oh, putain, t'as vu les esquives que je dois taper? Magnifique, franchement magnifique. Ouais magnifique, t'es content que j'ai pris le volant hein? Mais sortez-moi des F dans le garage, là. Mais j'ai presque failli des F. On est passé à deux hélices des F. Mais frère, j'arriverai pas avec la voiture que j'ai hein, je vous le dis hein. Vas-y là, goûte sur moi. Non mais déjà, ils veulent me rentrer dedans, c'est pas possible. Oui. Je vais attendre le dernier moment avant de venir, hein, d'accord? Parce que vu le nombre de voitures que je viens d'esquiver, mon frère, j'ai pas envie de tenter le diable. Allo W, c'est... Bah frérot, c'est Orphelone, c'est moi que t'as croisé. Écoute, j'essaye de me sécure et je te fais quelque chose. J'arrive, je suis. Bien vu, joli. Bloqué. Ok, y'a toujours l'hélico. Mais c'est pas possible. Ensuite, petit tuto de logis en speed. On va descendre ici à gauche, pendant qu'il va perdre le visu, ce gros fils de pute de sa mère. Hein, pour être poli, je suis désolé, hein, c'est vrai que... 10 fois en ce moment, je suis mal peu. Je crois que t'es... Fais comme ceci, t'as perdu. Logiquement, il est parti de l'autre côté. Et toi, tu redescends par là. Hop. Et normalement, tu l'as plus. C'est bon. Ici, tout le monde est venu. L'hélicoptère. Eh ben, c'est ce qu'il faut pas faire, hein. Ok, c'est bon, la voiture est là. Ok. Allez, super, allez, W. Nous, on reste 30 secondes ici, on ne bouge pas. Ouais, c'est bien, je trouve, quand même. C'est
En tout cas, bravo, Mosmos. En fait, je l'attendais des œufs que tu le dises devant tout le monde des œufs. Que quand même, on était presque des œufs. Ah ouais, non, mais je te l'accorde. Oui, c'est la voiture, c'est pas ma faute à moi des œufs. Oui, c'est la voiture, elle est un peu trop grosse. C'est passé avec les Sicarios ouais. Ils ont fait les pneus à Percy pour qu'ils soient arrêtés par les flics. Encore une voiture, mais ça devrait le faire. Ah, ils sont pas fait choper par les Sicarios ? Non. C'est que Gims. Mais je peux poser une question à des œufs ? Mets-moi. Je connais un peu la réponse des œufs. On peut les buter du coup des œufs ? T'inquiète, on va aller à leur rendez-vous. Et puis voilà, tranquille. Vous. Et si je m'inquiète des œufs, puisque c'est mon tour encore une fois des œufs ? Oui, avec tout ça des œufs, le OG a dû mettre du coca dans sa bière des œufs pour récupérer notre Gimsu des œufs. Et sur le retour des œufs, le OG et tous les autres des œufs m'ont fait prendre conscience quelque chose des œufs. Oui, c'est qu'ils m'aimaient pas vraiment des œufs et que s'ils faisaient quelque chose parce que j'étais vraiment en danger des œufs, je suis sûr que c'est parce qu'ils flippent des capelettes des œufs. Parce que je suis sûr qu'on fond de eux des œufs. Ils en ont rien à foutre de moi des œufs. Et là, ça va être quand même la preuve des œufs. Pour quel canari ? Parce que quand tu prends une grosse boisson, il faut toujours dire un petit mot mignon. Humoristique pour détendre la personne. Y'a voix. Tu vois, c'est comme quand je t'attrape les cheveux. Bah non, ça c'est trop... Non, c'est possible des œufs. Bah au moins moi je me fais pas larguer par une femme qui part avec deux gosses. Ouf, aïe. Je vois pas du tout de quoi vous voulez dire des œufs. Moussa les trise dans son petit cœur. Oh. Et c'est pas gentil de ramener le côté de la plaie des œufs. Tu veux une glace au chocolat? Eh mais ça, dors pas trop il hein. Il vient de l'avoir apparemment, l'autre il serait parti, il va essayer de voir s'il arrive à le joindre. Mousse, ça c'est la musique pour Moussa ça. Moussa solo dans l'hood. Il observe Tish. Avec son télescope. Tu le mêles pas à ça. Et les cops, ils veulent son cul. Et Moussa, il se sent tout seul, la. Ses sentiments sont condamnés. Moussa n'a plus de femme, elle s'est barrée. Avec ses enfants comme une chouin. C'est les balles qui ici. Allez, Moussa, chante. Oh non, Moussa, il est tellement. Je l'aimais trop. Et elle s'est barrée. Tu m'as réussi. J'arrête. Ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Arrête. Mousse. Mais c'est mon cœur à moi qui sait que des œufs. Attends, les frères, venez ici. Les frères, je crois que j'ai déconné, les frères. J'ai lâché un peu trop de vanne à Moussa et là il est en pleurs. Venez la famille, venez. Vas-y, sors Mousse. Sors. En fait, je vous explique, j'ai pas arrêté de lâcher sa femme et ses enfants. Qu'est-ce qu'il y a Moussa ? Et là, je crois que je t'ai fait vraiment mal, donc... Calin collectif. Il était en train de dire comme quoi le gun il m'appartenait alors que c'était à lui, il l'avait posé sous la voiture. Plein de trucs comme ça, ouais. Je faisais passer pour la plus grosse des victimes. Déglingue. Mais je vous avoue que c'est là que j'ai eu l'idée du siècle des œufs pour me faire respecter des œufs. Mais là, on va peut-être buter un mec des œufs. Enfin, le OG me fait croire que c'est moi qui vais le buter des œufs. Tu sais ce qu'il vient de me dire ? Dis-moi. Que t'allais être son petit. Quoi ?
Non, ça c'est pas vrai, monsieur. J'aurais Pardon jamais... Monsieur, on dit. Ouais, c'est vrai, monsieur, c'est vrai. J'ai pas dit vous étiez ma petite parce qu'il a dit que ils allaient livrer la petite colis. Alors, moi j'ai dit la colis, c'est pas moi, mais c'est l'autre que je vais aller voir. C'est lui la colis. Il m'a dit maintenant je fais de la coke, tu vas appeler ton boss, ça va être mon petit. Voilà ce qu'il a dit exactement. Hein? Ouais. T'as dit vraiment c'est mot-là? Non, monsieur, j'aurais jamais osé. Mais, enfin bon. Dis-moi la vérité. Je suis un menteur, moi. Bart de Weaver, dis-moi la vérité, là. Allez, dépêche-toi. Bartier, c'est Bartier. Bartier. Monsieur, ce que je vais vous dire, c'est que, oui, on a travaillé un peu pour, avoir les possibilités de travailler pour des grands. Donc, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, monsieur Casquette Blanche, vous m'avez dit de plus mettre les pieds dans un des laboratoires de méthamphétamine. Alors, depuis ce jour-là, j'ai juré sur la Sainte Grove Street. J'ai dit que j'allais plus mettre le pied là-bas. Alors, du coup, je suis parti chez les voisins et je travaille pour eux. Tu travailles pour qui? Pour les sicarios. Tu travailles pour les sicarios? Oui, monsieur Casquette Blanche. On va regarder ça. Alors. J'ai jamais fait ça contre. Enfin, comment tu t'appelles? Berthier, c'est ça? Moi, c'est Berthier. Dis-moi, est-ce que vous connaissez Berthier? Ouais, Berthier, un truc comme ça. Un gars qui dit castrar et qui parle un peu comme ça, une fouille. Parce que là, ça vient, Roger. Monsieur Peur? Ouais, parce que c'est super. Hein, tu colles la tour, aller dans le bateau. Ah, ouais, ok, ça veut dire quelque chose. Ok, super. Je sais pas, c'est parce qu'en fait, je suis au bout de mon canot et il me raconte qu'il travaille avec vous. Ok, vous savez comment ça commence une guerre? D'abord, on va liquider toutes vos petites mains. D'accord? Tous ceux qui travaillent pour vous, ils vont commencer à plus vous acheter. Ils vont commencer à se prendre des douilles dans des coins sombres. Ils vont commencer à leur arriver des galères. Et puis ensuite, quand je vous aurai affaibli du bas, je monterai jusqu'à la pyramide, jusqu'à votre tête. Tant mieux. Comme ça, va pouvoir assumer les restes. C'est génial. Je vais pouvoir m'essuyer son sang sur mes lèvres. Ouais. Ouais, mais vous voyez jamais, il vous faudrait peut-être une paire de lunettes. Mettez des doubles vitrages, comme on appelle ça là, pour voir un petit peu plus loin avec une loupe. Bref, j'ai eu ma réponse, parfait. À tout à l'heure. Bon bah t'es dans la merde hein, toi cette fois. Hein. Alors je t'explique, il y a une grosse guerre. Très grosse guerre là, qui est en train de se préparer, que ça dépasse ton entendement. Donc toi, t'es déjà venu plusieurs fois le nez dans mes affaires, et pas qu'une fois. Et d'accord, mon petit Berch. Oui, ça c'est vrai. Mais avec tout le respect que je vous dois, monsieur, c'est Casquette Blanche, je pense que la dernière fois qu'on a eu cette conversation, on me dit de plus mettre les pieds dans la mette. Alors j'ai mis mes deux mains dans ma côte, monsieur Casquette Blanche. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore de faux de pas bien pour votre business? Nous, la mette c'est terminé, on se met sur la coke. On arrive fort. D'accord? Ah, ok. Et moi, je vais te dire un truc. Ouais. Tu vas arrêter de me prendre pour un débile. D'accord? Je te le dis, hein. Si tu me prends encore une fois pour un con, je t'abatte sans froid sans même te parler. Je préfère te prévenir. Parce que t'es bobard, hein. À un moment donné, je veux bien aller gober. Tu vois? Mais à un moment donné, moi, je suis pas une espèce de poufias qui va tendre son cul à chaque fois. Donc je vais te dire clairement les termes, ma petite gueule d'amour. Ça va se passer comme ceci. Tu vas pas me prendre pour un con. En tout cas, il sait très bien. Que j'étais en train de me foutre sur ce business là. Touquet sait très bien qu'il travaillait avec les Sicarios. Touquet sait très bien que je l'ai jeté de la Black Wesley et tu vas pas me faire croire que t'es au courant de rien du tout. Vrai ou faux? C'est totalement vrai, monsieur Casquette Blanche. Donc en fait, depuis tout à l'heure, t'es bien en train de te foutre de ma gueule. Non, je savais pas que vous aviez repris ce business, monsieur Tyler. Ça, je n'étais pas au courant. Écoute, Touquet sait très bien. Touquet s'arrange avec les Sicarios. Tu savais très bien les risques t'encourrais à aller là-bas. Donc ce soir, je vais te punir fortement. D'accord? Je vais choisir la méthode de punition. Venez avec moi, la BWS. Et on sait une chose, mon petit Berk. Qu'est-ce qu'il va faire de ne mon Ne dis plus jamais devant moi que Tyler, ça va être ton petit, parce que c'est moi-même qui te canne. Donc Moussa, tu voulais toujours te venger. Vite. Je t'ai fait pleurer tout à l'heure, bah c'est mon cadeau. Vite, pour livrer des œufs. Livrer. Oh, c'était là. Mon vieil, écartez-vous. Alors là, mon gars, tu vas mourir hein, pour ça, toi. Hein. T'as déjà fait la rencontre avec une tronçonneuse? Ouais. J'ai déjà vu ça dans le film, The Gangsters. Ouais, bah là, tu vas la rencontrer pour de vrai. Alors,
Espèce d'enculé là. Hein, moi je suis ton petit moi. Non monsieur. Moi je suis ton petit moi. Attends. Ah. Allez, vas-y, allume-toi. Allez, on met ta boîte à tronçonneuse près de toi. Hein là, 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 hey, les frères, venez autour de moi, on commence à l'entourer. Hein, maintenant que tu t'approches près de toi, t'as peur ou pas? Aidez-moi. T'as peur ou pas? Mais je vais te couper ta gueule, ma gueule. Non. On peut s'arranger, on peut s'arranger, monsieur, on peut s'arranger. Donne ta main, donne ta main. Donne ta main, fais-moi. Allez, go, les frères. Eh non, connard, on va pas couper. Eh non, putain. Putain, on va te planter ta mère. Eh voyons. Ah, comme ça, je suis ton petit, mon enculé. Pauvre connard. Ah, comment ça, je suis ton petit. On va te baiser le sang. On va te retourner ta petite gueule. T'as de la chance que ça, c'était juste. Vous faites peur. Tu t'es fait troller par la Black West Side, on va te niquer. Tout. Et danse, dépêche-toi, danse avec nous. Mais si tu dépêches-toi des œufs. Danse avec nous, sinon je ressors la tronçonneuse. Bon. Bon, allez, reculez-vous tous. Moussa, viens à côté de moi. Tish, donne-lui ce qu'il faut. C'est fait. Ok, le mec en bleu. Ouais. Va à côté du mec avec la crête bleue. Maintenant, c'est du sérieux, mon frère. Okay. On a pas envie de te faire rigoler un minimum parce qu'on trouve que malgré tout, t'es un bon gars, même si tu te fous de ma gueule. Et moi, je vais te montrer que quand on se fout de la gueule des grosses têtes, t'en as forcément des conséquences. Certes, j'ai un humour déjanté, je suis un petit peu fêlé. C'est-à-dire qu'à un moment, je peux rigoler et à un moment donné, je vais t'enfoncer un putain de marteau dans ta bouche. Et là, on va te montrer que la Black West Side, c'est pas uniquement ce que tu viens de voir. Et j'espère que tu t'en souviendras. Moussa, c'est à toi. Vite. Plus jamais tu te fous de notre gueule des œufs, t'as compris des œufs? Ouais, c'est compris. Ouais, t'as été rapide. Hein. Vite. Si t'apprendras ouais, des œufs, y avait pas plus d'explications à faire des œufs. Eh, je te chuchote à ton oreille pendant que tu te vides de ton sang. La prochaine fois, je visse la tête avec mon pompe. Fais gaffe, mon frère. Bien joué, Fermin, tu viens de gagner 4 Beretta. Bisous, mon pote. À ton service. Berge, ça va? Allez, on y va, les gueules d'acier. Le mec en bleu, vous pouvez le laisser. En voiture, gueule d'acier. Soyez cosque attentif des œufs, parce que ça va être maintenant où je vais un petit peu vous dévoiler des œufs, mon plan machiavélique pour être enfin respecté aux yeux de tous, sans personne des œufs. En fait, elle est quelle âge, madame Pichard des œufs? Ouais, tu vas pas recommencer. Je sais pas, 83, je crois. Oui. Je t'ai dit qu'elle était trop vieille. Monsieur des œufs. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Oui. Tu sais exactement où elle habite, madame Pichard des œufs? Dans le quartier des Crips. Oui, et quel numéro des œufs? Je me souviens plus du numéro, mais je peux te montrer la porte. Oui. C'est grave, va être comme ça, monsieur. C'est grave. C'est jamais des œufs s'il arrive quelque chose à madame Pichard des œufs. Ah, tu seras là pour l'aider, pour la sauver et tout le bordel. Des côtés de Malte des œufs, les jalouses des œufs. Ah! Et Tichelle est jalouse, un coup tout le temps sa vie. Hop! Eh ben, on pique bien mes meufs des œufs, je m'en fous, je pique les meufs des autres des œufs. Ouais. Ah, mais tu vas pas leur mettre un Kinder Surprise à tous quand même. Quoi que tu me diras, madame Pichard, vu l'âge qu'elle a, tu risques pas grand chose. Eh ben, t'en mets des œufs. Au moins, vous direz pas des œufs. Oui, elle s'est encore barrée avec des bébés des œufs. Ah bah là, non, bah, je pense pas, non. Oui, je m'en fous des œufs, je vais lui piquer sa meuf des œufs. Et t'oserais lui dire comme ça face à face? Non. On est d'accord. Pourtant, je crois que t'avais pas peur. Eh ben, c'est pas parce que j'ai pas peur des œufs qu'il faut lui dire quand même. Si. Mais non, non. Si. Non. Un poisson si. En face. Un poisson si. Si il laissait des œufs, ben ce sera vous qui. Vous allez vous calmer ou je vais vous baffer tous les deux. Vous avez compris? Voilà, calme-toi. Ben je parle à toi, Moussa, écoute. Voilà, calme-toi. Non, mais ne frappe pas des œufs. Prends-toi une gifle. Arrête, Moussa. Un poisson style, je te l'ai déjà dit. Je jure. Avant des petits races là. Une gifle. Si, on veut des gifs, comme ça on compte les points. Non mais c'est pas mon tour des œufs, c'est le tour des gims des œufs. Donc là, on rencontre la famille à égo des œufs. Vive. Et on doit amener du pognon à égo des œufs. Vive. Et là, il va encore se passer un petit...
petit quelque chose de ouf ou qu'est-ce que je vais tout comprendre de ouf. Mais là, vous savez qu'est-ce que déjà une bonne petite partie de mon super plan machiavélique de ouf. Cousin, c'est nous, c'est nous. Attends, déjà qu'il a pas voulu négocier. Tu sais qu'il... Ouais. On va prendre tous les cops. Tu sais qu'il a vu les flics, il a même pas voilà. voulu négocier. T'es là, désolé, je... voilà, je suis en tranquille, petit peu. Ça l'est moins. C'est un réflexe, un mauvais réflexe. La plata. Ouais, ouais, c'est de l'oseille. Oh putain, je suis devenu tout pâle. Oh, désolé, frère, un réflexe. Voilà, boule. Ouais, par contre, il lui manquait un petit peu de pognon. Comment ça, il lui manque du pognon? Ouais, il manquait de l'argent. Il a pas voulu qu'on négocie avec les keufs aussi. Ouais, il a pas voulu qu'on négocie avec les keufs. Non, non, c'est pas vrai. T'as pas voulu négocier. C'est en train de t'embrouiller, Hugo. Déjà pour le pognon qui manque, j'ai dit je fais un aller-retour. Non, on a voulu le fumer, il a dit non. Il a dit non. C'est pas une technique de négociation. Mais bien sûr que c'est une technique de négociation. Ah ouais, mais Hugo, pas quand t'as 5 millions. On imagine, je perds tes 5 millions, tu me tues, non? Toute ta réaction de détail. Tyler, je t'ai dit. Tu fais la mauvaise coton, mec. Tu veux plus tuer de caf. Tu t'arrêtes sur des détails, genre à 5 millions de dollars, qu'est-ce qu'on sent pas les couilles? Quoi? Mais ouais. En plus, après, il a parlé de. Ma soeur, elle a failli négocier avec des caf et tu prends la tête pour 5 millions de dollars! Cops qui arrivent. Bah ouais, mais bon. y a les cops. Putain, y'a les cops! On va les fumer, on va les fumer, on va les fumer! Ouais, viens, on va négocier, on va négocier! Mais oh. Si j'ai. Là! Non, mais ça, non! Mais ils ont des coups d'idées des œufs, Si tu veux, Moussa, je te passe la carte, tu vas rafaler avec eux. Mangez sainement, équilibrez les enfants et ne prenez jamais de drogue. Ouais, vous avez l'exemple de fond, les sœurs. Vous que tu dises des œufs. Si vous ne voulez pas. Non, pour trois fois comme rien. Ça, c'est mieux de faire gaffe, hein, moi je vous le dis. Hein. Du coup, vous savez que depuis tout à l'heure, j'essaye de rouler ma cigarette. Et que tu n'y arrives pas. C'est ça. Oui, go. Ils approchent pas, je crois qu'ils veulent pas négocier. Ouais, mais c'est pas une négociation, hein, vous allez vous non, faire rafaler. Parce que t'as pas voulu négocier tout à l'heure, maintenant ils sont fâchés. Oh là, putain, tu déconnes aussi, vous avez négocié tout à l'heure. Mais comment ça, c'est de ma faute? Mais ouais, si t'avais négocié tout de suite, c'était bon. Vous êtes complètement barré, je te jure. Négociation prévue, c'est la négociation. J'ai 5 millions de dollars, frère, je valais en taule toute ma vie. Mais j'ai quand même peur, t'es un minimum. Mais t'auras négocié. Avec les honneurs. Osez. Ah ouais. Vous avez vos casques en aluminium ou pas? Alors. Non, je l'ai pas, moi je l'ai oublié. Il va falloir les mettre parce qu'ils vont essayer de contrôler nos cerveaux, c'est clair. Ouais, ouais, clairement. Les gars derrière toi là. Ouais, non, on l'a pas. Tout seul, eux. Non, pas non, 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 non. Hein? Y'a pas d'alien, y'a pas d'alien, c'est bon, RS. Oh, vous pouvez y aller. Ok, super. Je vous souhaite une bonne soirée, merci pour tout. Hein. Ah, bah, grave, merci d'être passé. Mais pour ça, ce que je t'ai dit pour les grumes, il faut que ça rentre dans ton cerveau, il faut que tu portes des petits casques en aluminium. Ouais. Pareil pour la LSP, okay. Il travaille pour la reptile. Elle va bien, madame Pichard des œufs. On se barre. Ouais, vas-y. On se barre, les petits, on se barre. Je vous souhaite une bonne soirée, merci, c'est toujours un agréable plaisir de vous voir. Bonne soirée, easy. Bon, c'est que ce que vous avez pas tout compris des œufs, c'est pas grave, je vous explique tout maintenant des œufs. Bon, vu que quand j'ai des petits problèmes à gauche et à droite des œufs, le hood, il est pas que ce que pas vraiment présent des œufs pour m'aider dans tout ça des œufs. Oui, ils sont juste là des œufs. Quand vraiment, je suis vraiment en danger des œufs. Parce que je sais qu'il flippe juste des capellas des œufs. Parce que s'il m'arrive un truc des œufs, Capella, il va venir tous les buter des œufs. Donc du coup, des œufs, j'ai décidé d'avoir quoi ce que le meilleur allié des œufs dans au cas où des œufs. Oui, c'est I got des œufs. Donc, je vais décider des œufs. Je vais en premier temps des œufs lui piquer madame Pichard des œufs pour montrer à tout le monde dans le monde des œufs que fait on pique la meuf à Moussa des œufs et ben Moussa il pique la meuf d'un fou furieux des œufs. V, je m'en fous des œufs. Après
Je vais essayer de me rapprocher de sa sœur DF, lui faire croire mon émerveil DF pour qu'elle tombe super amoureuse de moi DF. Mais comme ça, Aigo, il pourra rien du tout me faire du tout. Non. Et comme ça, si un jour j'ai vraiment besoin de quelqu'un DF, j'aurai mon futur beau-frère de Aigo DF qui me sortira de la mer DF. Mais voilà, vous savez que ce qui est tout mon plan DF. J'espère qu'il va se dérouler à merveille DF. Et pour se faire DF, je vais compter sur l'aide de personne DF. Mais allez, on se retrouve plus tard DF. Bisous les potes DF.